Bien le bonjour à tous et bienvenue dans la partie 3 de Rayman 2. Je suis Ultimate John Doom. Comme vous le saviez, en résumé, nous avons effectué la partie suivante du voyage avec Rayman 2 et que nous avons effectué le Bayou ainsi que effectué, pour vous montrer ici rapidement, pour revoir, pour me rappeler un peu. Voilà, on avait fait le Bayou. Et on a fait aussi les, si je me rappelle bien, la baie des baleines que nous avons effectuée pour obtenir directement le premier masque et rencontrer pour la première fois Poloquus. Maintenant, nous allons continuer notre partie suivante ici dans les collines au Minir. Et c'est parti! Ok, on commence. Trouvons les looses et aussi les petits êtres à libérer. Là, quand vous voyez un petit missile ambulant, il faudra que vous utilisiez, faudra que vous fassiez le tour complet en continu jusqu'à ce qu'il se fatigue. Au début, je ne croyais pas et que j'avais des difficultés. Pour avancer, tu devras démonter le missile. Dompter le missile, pardon. Il faudra que je fasse comme ça. Il faudra que je fasse comme ça. Jusqu'à ce qu'il s'épuise. Et c'est parti! Oula la 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 la! Oh! Dommage. On recommence. Je ne peux pas du genre m'éjecter tout de suite. Allez, go! Faut pas que je rate les loots. Oh! Ah, il va me poursuivre celui-là. Aouh! Le deuxième peut me poursuivre pour me faire exploser. Mais si on tourne bien comme ceci, on peut du genre le semer. Allez, go! Allez! Faut pas qu'il me rapproche. Wow, 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 wow! Oui! Dommage. On recommence. Et c'est reparti. Et il est dans le vide. Mais heureusement, il revient directement. Ce qui est bien avec le missile, c'est que... il peut du genre... Attends, je recommence. Boing! Je recommence en fait, j'ai raté les loons. Je disais donc
Ce qui est bien avec les missiles, c'est qu'il peut prendre de vitesse pour aller dans toutes les surfaces, qu'il peut monter de haut et il peut descendre en bas. J'ai oublié celui-là. Allez! Hop là! Ah, presque! J'ai failli mort. Il faudra que je recommence. Il faut que je récupère les loots pour éviter le pire. Il le faut si je veux finir le jeu à 100%. Et hop là! Ok. Wow! Oh! Je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Voilà, je reprends ici. Allez, go! Wow! Allez, hein. Il était assez vite et vif qu'il pouvait m'avoir. On recommence. Voilà, je reprends ici. Allez, go! Ça y est, on approche. Wow! Ouf, j'ai réussi à passer. Attends. Il y a un autre missile, mais il faudra que je le guide ici. Bien vite. Boum! J'ai bien fait quand même. Allez, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Et je t'ai quand même vaincu. En ouvrant la porte, on peut pouvoir passer, mais il faudra guider ce missile avec nous. Attends. Allez, go! Ah, dommage. On recommence. Pile poil. Allez, viens. Et j'ai bien fait de m'éjecter. Des crochets à terre. Et un dessous de pirate en miettes. Clark! Clark? C'est toi qui as cassé tous ces pirates? Sûr qu'à 20 contre toi, ils n'avaient aucune chance. Salut, petit gars, tu viens tenter un bras de fer? Hé! Mais tu m'as pas l'air bien.
tu es blessé? J'ai dû avaler un boulon un peu trop pointu. Pour guérir, il me faudrait l'élixir de vie. Il est caché dans le royaume des morts. On dit que la porte du royaume est près d'ici. Mais je suis trop faible pour l'atteindre. Près d'ici? C'est un service pour un de ses meilleurs amis. Je vais trouver l'entrée et ramener l'élixir. Mais merci, petit gars. Allons directement à la vallée des morts. Dans le royaume des morts, pardon. Je sauvegarderai plus tard. Allons par ici. La grotte des mauvais rêves. Il y a 65 lunes à récupérer. Allons-y. Nous y voilà. Ouvrons l'œil et le bon. Il n'y a pas de petits êtres dans ce niveau. Il n'y a que 65 loads à trouver. Ah, dommage. Allez. Si on saute sur les crânes comme celle-ci, ça nous servira de plateforme pour passer. Les os sur le mur sont comme des échelles. Il faut faire attention à ces bras squelettiques. Ce sont des ennemis qui cherchent des proies. Non, dommage. J'ai raté mon saut. Je recommence. Trop court. C'est bon. Oula, ces piliers ne tiennent pas. Sortons de là. Il faudra sauter comme celle-ci pour atteindre le second anneau. Comme ça. Si jamais vous n'êtes pas assez haut, vous allez retenter la chance. Et j'y suis. Waouh! J'ai pas eu de chance, je recommence le saut. Créature que vous voyez sur la gauche, il appartient aux serviteurs des morts. Il faut les battre rapidement. Aou! Boum! Et éliminé!
Encore. J'aurais dû pas faire ça, mais c'est pas grave. Je l'ai éliminé, mais il est... Mais je suis tombé. Je recommence. Maintenant que les deux créatures sont mortes, je passe à la suite. On prend cette sphère de ces mêmes couleurs et on le lance là. Pile poil. Et on descend. On reprend. Ces chenilles des ténèbres sont hostiles. Il faut les frapper pour avancer. Et il faut trouver deux boules qui permettra de pouvoir avancer. Il faut passer ici à gauche. Si on se met ici, il nous fera monter sur cette plateforme là-bas. Là, on récupère la boule bleue et que nous devons la transporter ici. Non, j'ai raté, je recommence. Dans le mille. Joli. Attends. Yep. C'est bon. Les yeux rebondissants appartiennent au Seigneur des Morts. Ici, il faudra lancer la boule comme ça. Et il y est. Un peu plus, il est tombé dans le vide, mais quand même, j'ai réussi ma lancée. Ici à gauche, ça mène à... la prochaine boule à chercher. Je vais laisser la boule bleue ici. Je vais aller chercher la boule jaune. Oh là, directement. Ouf, ah, ça doit faire mal. Non. Je recommence. Allez, on avance. Ok. Thank you.
Voilà la première, la seconde boule. Raté. On recommence. Non. Mauvais tir. On recommence. Attends. Voilà. Parfait. Attends. Impeccable. La boule bleue est toujours en place. Excellent. Aouh ! Dans le mille. Hop ! Dans le mille. On va pouvoir y entrer et passer à l'étape suivante. On descend. Ok. Ici, ça va être la glissade. Il faudra faire attention où on met les pieds. Ton voyage s'arrête ici. Waouh ! En voilà une plus grosse. Il faut glisser et fuir. Ah ! J'ai raté. Il faut récupérer les loots qu'il y a sur le chemin. À gauche. Ah non, c'est une loose rouge. Je me suis entièrement trompé. Je recommence. Il faut que je récupère l'autre Loods. Ah ! Dommage. On recommence. Ton voyage s'arrête ici. Dommage. On recommence. Dommage. On recommence. J'ellipse ça pour avancer plus vite. Ah !
Punaise! Allez, il faut que j'y arrive. Non, j'ai loupé. On recommence. Allez, non. Raté. Je recommence. Jilip, c'est ça. On avance. Je recommencerai après. J'ai pris quand même la plus grosse partie. Allez, on avance. Dommage, on recommence. Dommage. Allez, il faut que j'arrive. Je vais pas consacrer tout ce niveau à... une seule vidéo à ce niveau, quoi. Dommage. Je n'étais pas assez rapide. Allez, hein. Il faudra que je... Attends. Il faudra que j'essaie de prendre la plus grosse partie et je recommencerai une nouvelle fois, mais en pause vidéo. Comme ça, j'aurai la possibilité d'avoir tous les loots. On avance. Je ferai le maximum pour récupérer les loots. On reprend ici. Allez. Oh non. On recommence. Allez, go. Voilà, cette descente, je reconnais très, très fortement, ça mène jusqu'à la sortie. Je recommence ici pour reprendre les loots. Il le faut pour réussir. Yeah.
Dommage. Allez, allez. Oh non. Il faut que je réussisse à récupérer ces looses. Comme ça, je serai bon. Ça y est, je l'ai. Et j'ai loupé celui-là. Dommage, on recommence. Je vais vite ellipser ça, comme ça, dès que je serai au grand virage gauche, à la descente menant la sortie, avec les loons en main, ça sera bon. Voilà, j'y suis arrivé, il ne reste plus qu'à atteindre la sortie. Je dois continuer à enchaîner les coups. Allez, go! Et je ne dois pas louper un loose, et je l'ai loupé. Je recommence. Il reste encore un dernier loose, je l'ai vu tout de suite. Je vais retenter la chance. Allez, on y va. Allez. Oh là 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 là, il a raté le saut. On recommence. Allez, on reprend. Allez. Oh. Non, j'aurais dû tirer. Allez, 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 Rayman. Oh. Dernier coup. Il ne faut pas que je la rate. Allez. Non! Allez, on recommence. J'ai su atteindre la sortie, mais j'ai loupé un loot sur le passage. Je vais retenter, mais hors vidéo. On va continuer d'avancer. Là, on va se confronter contre lui. Tire sur le crâne. Ok. Attends, je dois m'occuper de celui-là. Si on tire sur les crânes comme ça, on peut les stabiliser un instant. Non, trop tard. Mais ils ne sont pas stables. Dommage. Je recommence. Passons aux plateformes suivantes.
Stabilisé. On avance. Ok. Oh! Ah! J'ai raté le saut. Je recommence. Trop tôt. Enfin, trop tard, si je peux dire. C'est bon. Ok. Ça va être le dernier pilier avant la suivante. C'est bon. Non, j'ai raté. Je recommence le saut. Aouh! Zut! On recommence. J'ai déjà 38 minutes, il faudra que je finisse ce niveau. Puis, ça sera bon. Voilà. Oh, allez, je vais ellipser ça. Voilà, j'y suis. Ici, ça va être les derniers crânes de plateforme à passer. Il faudra faire ça. Là, j'ai raté le coup, mais je recommence un autre. Voilà. Et voilà, j'y suis. Il me reste un loose, mais je ferai hors vidéo. Incroyable! De l'or!
Tu m'as vaincu. Mon trésor t'appartient. Prends ce que tu veux. J'ai juste besoin de l'élixir pour sauver mon ami Clark. La vie est précieuse que l'or. Pour un ami, ta folie m'amuse. Pour la peine, prends ceci. C'est l'élixir de vie. Conserve-le précieusement. Merci. Comme je disais tout à l'heure, la vie est plus précieuse que l'or et que Rayman a fait le bon choix. Tandis que dans Resurrection de Rayman 2, on pouvait faire le choix. Mais il vaut mieux ne pas en parler parce que, de toute façon, vous connaissez quand même cette partie. Voilà, c'est ici que je vais arrêter la vidéo. J'espère que cette partie de vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager à ceux qui sont fans du rétro gaming. Et surtout, n'oubliez pas que la passion jeux vidéo rétro gaming continue à suivre dans la prochaine partie. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour être informé des prochaines sorties de vidéos.